Défonce de toucher, Bernardo Velasquez. N'embête pas cette señorita. Désolé, mon ami, mais cette charmante demoiselle est à moi. Oh. Tu m'envoies navré, mais cette délicieuse orange vient de m'avouer qu'elle préfère que ce soit moi qui la croque avec dents. Encore ? Abandonne ! Tu vas finir par te faire mal. La Californie ! Bernardo ! Tu sens cet air pur, c'est l'air merveilleux de notre terre natale. On y est. Oui, tu as raison, ça fait 5 ans, 5 longues années que nous sommes partis pour l'Espagne. Ça me semble une éternité. Vite, allons préparer nos malles. Je suis très impatient de revoir Inès, mais je reconnais que sa lettre m'inquiète un peu. De terribles événements se sont produits pendant notre absence. De nombreux innocents ont été arrêtés, des braves gens ruinés. Selon elle, le nouveau vice-roi est un incapable cupide et avide de pouvoir. Et elle a l'air de détester ce commandant de Los Angeles. Oui, j'aimerais bien prendre les armes. Mais hélas, à un contre-sang, nous aurions vite fait d'être emprisonnés ou pire encore. Maintenant que j'y pense, à part cette épée de parade, je ne devrais pas être vu en public avec un tel arsenal. Bernardo, dorénavant, je vais me faire passer pour la plus mauvaise lame de toute la Californie. Je ne m'intéresse plus aux armes, je ne me soucie que de poésie. En ce qui te concerne, tu feras semblant d'être sourd. Je suis certain qu'ils se mettront à parler devant toi, et ainsi nous pourrons réunir de précieuses informations. Tous ces trophées d'escrimeurs ne sont que de gros bols dorés. Aujourd'hui, nous allons relever un plus noble défi. Ah, ils sont là. Père ! Oh, Inès ! Diego ! Mais tu es plus grand que moi maintenant. Et toi, chère petite sœur, tu es devenue une magnifique jeune femme. Waouh ! Diego ! Père ! Je suis si heureux de vous revoir. Alors, qu'avez-vous appris à l'Académie royale pendant ces 5 dernières années? J'espère que votre tête est plus pleine que lorsque vous êtes parti. Père, j'ai une mauvaise nouvelle. Au cours d'une célébration en l'honneur du roi, Bernardo s'est trouvé trop près d'un des canons quand ils ont tiré. Et depuis, il est devenu sourd. Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Oh, Bernardo. Pauvre Bernardo. Non, le mauvais sort t'a joué un vilain tour. Mais je suis heureux que tu sois de retour parmi nous. Nous saurons nous adapter à la situation, Bernardo. Attention! Pardon. Maudite vermine! Regarde où tu mets les pieds! Reprenez le travail, vous autres! Dépêchez-vous! Sergent Garcia! Oui, commandant. Cette bande de bons à rien s'obstine à faire la sieste. Qu'est-ce que vous attendez? Réveillez-les! On va tout de même pas y passer la journée. Je vais leur apprendre à se révolter contre l'impôt. Bon, vous avez entendu le commandant. Au travail. Dépêchez-vous plus vite que ça. Plus vite. Vite, j'ai dit. Allez, mon projet, c'est pas nager. Oh, Garcia, espèce de pitre. Pardon, commandant. Don Alejandro. Señorita, quelle délicieuse surprise de vous voir ici. Diego, mon fils, voici le commandant Monasterio de la garnison de Los Angeles. Je vous présente Bernardo Velasquez, commandant, le fils de l'ancien régisseur de mon domaine. Nous rentrons de Barcelone, où nous avons fait nos études. Voyez-vous cela?
Et vous voulez changer le monde, comme tous les étudiants, j'imagine. Moi ? Oh non, je n'apprécie guère la politique. Mais si vous souhaitez discuter de poésie, de philosophie, je suis votre homme. Oh, veuillez pardonner mon ami, il est sourd. Il ne comprend que le langage des signes. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de clownerie. Mes médailles. Ah, je dois prendre congé à présent. Je le regrette, mais mon devoir de soldat me force à vous priver une fois encore du plaisir de ma compagnie. Mes hommages, señorita. Tu as été très drôle, Bernardo. Rassemblez les hommes, nous partons pour Los Angeles. En marche forcée. Oui, commandant. À vos ordres, commandant. Y a-t-il ? Vous n'êtes pas content ? Eh bien, la prochaine fois, payez vos impôts. En avant, et plus vite que ça. Y aura-t-il enfin un port à Los Angeles ? Ces 4 jours de voyage vont avoir raison de ma santé. Oh, allons, mon fils. Aurais-tu préféré rentrer chez nous à pied, sous un soleil de plomb et en couchant dehors comme ces infortunés paysans ? Diego, je t'en prie. Mais quand nous étions enfants, nous adorions coucher à la belle étoile, n'est-ce pas ? T'as rendu compte de ce que tu dis ? Ce monastério est une brute qui maltraite les péonesses et mène la région d'une main de fer. J'ai une idée. Je pourrais discuter avec lui d'un excellent ouvrage que j'ai lu à propos du pouvoir. Le prince de Nicolas Machiavel. Souviens-toi que les actes sont plus efficaces que les paroles. Franchement ? Vous n'avez donc pas reçu ma dernière lettre ? Si, nous l'avons bien reçue, mais j'ai horreur des conflits. C'est d'un ennui prodigieux. J'ai la solution. Invitons le commandant monastério à l'hacienda et expliquons-lui que la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. Il comprendra et libérera les péonesses. Halte, cocher. Au nom du vice-roi de l'Esteban Parasol, représentant de sa gracieuse majesté en Californie, toute personne n'ayant pas payé ses impôts sera condamnée à une peine de prison ferme jusqu'à ce que sa famille ait réglé ses dettes. Exécution, sergent. À vos ordres, commandant. À vos ordres, commandant. Alors, crois-tu toujours qu'il suffit de lui demander gentiment pour le faire fléchir ? Commandant, ce nouvel impôt est non seulement injuste, mais tout à fait insensé. Qui parmi ces pauvres gens est capable de le payer ? Ayez pitié d'eux. Je vous en conjure, libérez ces pauvres innocents. Don Alejandro de la Vega, cet impôt a été établi par le vice-roi à Monterrey et tous les sujets du royaume doivent le payer. Oh oui, bien sûr, commandant. Eh bien, je déclare que le vice-roi a tort. Don Parasol a reçu ses instructions de la main même du roi. Nous avons tous le devoir d'obéir à sa volonté, y compris vous. Ne vous avisez pas de l'oublier. Oui, ne vous avisez pas de l'oublier. Père, attendez. Le commandant a raison. Peut-être vaut-il mieux ne pas contrarier le vice-roi. Je ne renoncerai pas. Je repars dès ce soir pour Monterrey dire à Don Parasol ce que je pense de ses nouvelles décisions. Oh, arrête, Diego. Quoi ? Hein ? Ah, enfin chez nous. Je suis tellement content d'être de retour. Don Diego, soyez le bienvenu. Merci, mon ami. Oh, Dios. Oh, tu n'as pas changé, Maria. Tu fais toujours la meilleure soupe du monde. Pardon, je veux dire Donna, Maria. Vous saviez à quel point vous m'avez manqué, tous les deux. Patoche ! C'est pour le dîner et pas avant. Si je vous laissais faire, je suis sûre qu'il ne resterait plus rien. Zouzou ! Disparaissez de ma cuisine, espèce de chinapan. Ah ! Très drôle ! Tu dois absolument...
absolument nous accompagner à la prison. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'apporter un bon dîner à ces malheureux paysans. J'en serais ravi, mais c'est un terminable voyage mal épuisé. Demain soir, d'accord? Comment peux-tu être aussi égoïste? Allez, debout, fainéant! Je n'aime pas ça du tout, Inès. Tu ne devrais pas provoquer les soldats. Maria, je ne peux pas rester les bras croisés pendant que des innocents souffrent le martyre sous la botte de cet odieux commandant. Caporal Gonzalez. Oui, sergent. Surveillez bien les prisonniers. Il faut que j'aille faire un petit tour. Ah non, je les ai déjà surveillés tout l'après-midi. C'est à votre tour, sergent. Oui, mais je suis votre supérieur. Et moi, je vous ordonne de les surveiller parce que moi, je dois me concentrer pour réfléchir, aux mesures à prendre, en cas de mutinerie. Parce que les prisonniers n'ont reçu ni eau ni nourriture depuis longtemps. Et où allez-vous, juste pour réfléchir? À l'auberge, bien sûr. J'en profiterai pour demander le menu de demain. Sergent Garcia. Oh. Oui, commandant. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les prisonniers dorment sur des bottes de foin? Ceci n'est pas un hôtel, me semble-t-il. Je vous accorde exactement 5 minutes pour les sortir de leurs cellules et les mettre dans les mangeoires des chevaux. Oh, adieu, l'auberge. Je vous souhaite le bonsoir, commandant. Je suis certaine que ces prisonniers sont un fardeau financé pour votre régiment. Je vous apporte donc de quoi les nourrir sans frais. S'il vous plaît, j'ai soif de l'eau. Je suis terriblement navré, señorita de la Vega. Les prisonniers viennent de finir leur dîner à l'instant. Et je peux vous assurer qu'ils n'ont plus besoin de rien. S'il vous plaît. Ah, non. Arrêtez cet homme et jetez-le en cellule avec les autres. Ça lui apprendra. Oh, pardon, je voulais dire à vos ordres, commandant. Laissez-le tranquille, soldat. Je vous défends de porter la main sur lui, vous m'entendez? Je vois que le bal a commencé sans moi. Seigneuresse, est-ce que vous me permettez de me joindre à la danse? Qu'est-ce que ça signifie? Et qui êtes-vous? Mon nom est Zorro. Je viens restaurer la justice et la paix à Los Angeles. Il est clair que la ville en a grandement besoin. Et pour commencer, je vais libérer tous vos prisonniers. Quoi? Emparez-vous de ce bouffon masqué! Vous connaissez le dicton, non? Plus on est de fous, plus on rit. Lancier, aux armes, le fort est attaqué. En avant. Courez-lui après. Là. Juste là. Il est là. Oh, attrapez-le. Montez, montez. Aïe. Je vous remercie. Mes clés. Attention à la marche. Vite, les échelles. Dépêchez-vous. On va la voir. Capturez-le. Oui, capturez-le. Vous n'êtes qu'une bande d'empantés. Un vulgaire ramassis imbécile. Vous êtes la honte de l'armée. C'est ça que vous cherchez? Je suis ici, pas là-bas. Bon, écoutez, j'essaie de vous aider à m'attraper. Mais si vous ne faites même pas d'efforts, vous n'y arriverez jamais. Abruti, donnez-moi ça. Sans lâcher cette échelle, lancez-la. Oui, commandant, gardez-la. Allez, fuyez, vite, réfugiez-vous dans les collines et emportez la nourriture avec vous. Allons, messieurs, vous voulez sérieusement que je me mesure à vous tous à la fois, équipé d'un simple fouet?
Eh bien, vos désirs sont des ordres. Commandant Monasterio, quelque chose de terrible vient de se passer. Tous les prisonniers se sont échappés. Hein? Comment? Personne n'est resté pour surveiller les cellules. Si je suis en caporal, je retiendrai ça sur votre salle. Hein? Pas encore. Cette fois-ci, tiens, tu ne peux plus nous échapper. D'accord, vous avez gagné. Je me rends. Ou peut-être pas. Je vois comme ça laisse. Il est vraiment fort. Très, très fort. Restez derrière moi, caporal. Commandant, regardez, c'est moi qui ai attrapé Zoro. C'est moi, votre sergent. Alors, on dit au commandant que c'est moi qui ai attrapé ce bandit. En êtes-vous bien sûr, seigneuresse? Parce que je ne vois toujours pas de menottes autour de mes poignets. Saisissez! À cheval! Vite! Tu commences à faiblir, vile crapule! Tu as enfin trouvé ton maître, hein? Ah! Yeah! Souviens-toi de mon nom! Garcia! Sergent Garcia! Mon épée! Changez! Oh, non, pitié! Je vous laisse un petit souvenir, sergent. Rattrapez Zoro! Poussez-vous, sergent! Maintenant, hors de mon chemin! Au triple galop, tornado! Maudit sois-tu, Zoro. Tu me retrouveras. C'est incroyable d'où sortait cet homme. Tout s'est passé tellement vite. Merci, au revoir, señorita. De rien. Diego, écoute, c'était fantastique. On est allé à la prison et le commandant s'apprêtait à arrêter Bernardo, mais un homme a surgi. Il portait un masque noir. Il a dit qu'il s'appelait Zoro. Et il s'est battu seul, contre tous. Diego, réveille-toi. Oh, c'est sans espoir. Diego n'était pas du tout comme ça avant d'aller étudier en Espagne. Il est devenu oisif, ce n'est qu'un seul paresseux. Oh, quel gâchis. Il est totalement méconnaissable. Je lui ai écrit pour lui demander de venir nous aider, mais il ne fait que dormir ou rêvasser toute la journée. Oh, j'ai bien envie de le renvoyer à bord de ce bateau. C'est vraiment trop dommage. Mais je perds mon temps, je ne fais que chacasser comme une pie et toi tu ne peux même pas m'entendre. Mon pauvre Bernardo, mais qu'allons-nous devenir? Hein? Zoro ? Ne faites pas un seul pas de plus, Seigneur. Sinon, vous risquez d'avoir un sérieux mal de crâne demain. Je n'hésiterai pas une seconde à vous briser ce vase sur la tête. Qui êtes-vous ? Et que faites-vous dans notre demeure ? Je ne me souviens pas vous avoir invité. Et maintenant que j'y pense, comment se fait-il que vous connaissiez ce passage secret ? C'est toi, Diego ? Le plus grand de tous les sales paresseux à être jamais revenu d'Espagne, en personne, et pour vous servir, chère petite sœur adorée. Quoi ? Alors si je comprends bien, tu t'es moqué de moi depuis le début ? Oui. Tu faisais semblant, tu jouais la comédie ? Mais dans ce cas, dis-moi, Bernardo, es-tu vraiment sourd ou est-ce que... Oh, je ne sais pas lequel des deux, je vais assommer en premier. Attends, je vais t'expliquer. Hein? Si vous voyez les...
Les têtes que vous faites, c'est à mourir de rire. Diego, Bernardo, vous êtes enfin revenus à la maison, pour de bon. Doucement, Sorel, tu vas nous étouffer. Et c'est vraiment pas le moment, j'ai besoin de faire une sieste, moi.